Minasan, konnichiwa. Ici Judaichi. J'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, les amis, nous allons aborder un point très important de la grammaire japonaise. Il s'agit des particules, et plus précisément, la particule wa. Pour ce faire, on va commencer par définir quelques généralités à savoir sur les particules grammaticales du japonais. Ensuite, nous nous pencherons sur l'utilisation de la particule wa à travers quelques structures de phrases basiques. Et enfin, on prendra le temps d'illustrer ces explications à travers le manga et l'anime Hunter x Hunter. Vous me suivez ? Bon, commençons. Qu'est-ce qu'une particule grammaticale en japonais ? Les particules sont des outils grammaticaux très importants dans la construction de phrases plus ou moins complexes en japonais. La langue japonaise compte environ une trentaine de particules, dont je vous donne ici les plus courantes que je traiterai dans des futures vidéos. À travers ces dernières, je tâcherai de vous donner tous les outils nécessaires afin que vous soyez capable de repérer, comprendre et utiliser ces particules pour ensuite former vos propres phrases et acquérir les bases nécessaires à une bonne progression dans votre apprentissage futur. En effet, la maîtrise de ces particules constitue la pierre angulaire de la maîtrise de la langue japonaise globale. J'aimerais donc établir avec vous quelques prérequis fondamentaux à connaître avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, une particule agit toujours sur le mot ou groupe de mots qui précède. Elle en définira la fonction dans la phrase. Ensuite, une même particule peut avoir plusieurs fonctions et donc plusieurs sens selon la structure grammaticale. Troisièmement, la traduction d'une particule peut varier de bien des manières selon le contexte. La langue française étant une langue très riche, il est donc important de d'abord bien saisir le sens de la phrase pour ensuite en faire une traduction la mieux adaptée possible et éviter les pièges que posent les deux langues. Enfin, nous verrons aussi parfois que certaines particules pourront être combinées pour apporter d'autres fonctions ou nuances. Elles peuvent être aussi omises, c'est-à-dire effacées. La langue japonaise étant une langue très contextuelle, on n'hésitera donc pas à jouer avec la logique linguistique de notre interlocuteur pour communiquer avec lui. Je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes à savoir pour se lancer dans l'étude de ces différentes particules. Essayez vraiment de garder ces principes en tête car ces derniers seront très souvent la réponse aux questions que vous vous poserez quand vous ferez face à des phénomènes langagiers qui s'éloigneront quelque peu de ce que vous aurez appris. Maintenant que nous en avons terminé avec les généralités, je vous propose de nous lancer immédiatement dans l'étude de notre toute première particule, et pas des moindres, la particule wa. Pour cela, il va nous falloir passer par quelques structures de base pour bien appréhender la notion. Commençons au plus simple. Une des premières structures que l'on apprend quand on débute en japonais est la suivante. Prenez un nom, propre ou commun, et ajoutez-y ce qu'on appelle la copule da ou des. Je ne rentrerai pas plus dans les détails à ce sujet, au risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Faisons simple, et vous allez vite comprendre. Je vous donne 6 exemples. Watashi desu. C'est moi. Kuruma desu. C'est une voiture. Kirua desu. C'est Kirua. Terebi da. C'est une télévision. Keitai da. C'est un téléphone portable. Tomodachi da. C'est un ami. La chose à savoir ici est que « des » est une forme plus polie de « da ». Mis à part cela, le sens est strictement le même. En français, on traduira donc cette copule par le verbe « être », mais vous verrez que ça ne sera pas toujours le cas. Une fois que vous avez compris comment fonctionne cette simple structure, on va pouvoir légèrement compliquer la chose avec l'utilisation de notre première particule, la particule wa. Et si vous connaissez vos kana, vous remarquerez immédiatement que la particule s'écrit avec l'hiragana ha, mais se prononce bien wa. Cette particularité de prononciation ne concernera que la particule. Dans n'importe quel autre mot lexical, il se prononcera bien ha. Cette particule a pour fonction d'indiquer le thème de la phrase, c'est-à-dire de quoi on parle. Si ça peut vous aider, dites-vous que l'on pourrait littéralement traduire la particule par « en ce qui concerne » ou « concernant ». La structure est la suivante. C'est une structure très utile pour se présenter soi-même ou présenter des choses en général. Prenons un exemple. Watashi wa Judaichi desu. Littéralement, Watashi wa, en ce qui concerne, je, moi, Judaichi desu, c'est Judaichi. Donc, plus simplement, je suis Judaichi. Voyons ensemble 4 autres exemples. Watashi wa Franshijin desu. Je suis français. Kore wa kuruma desu. Ceci est une voiture. Gon wa 12 sai da. Gon a 12 ans. Leorio wa hunter da. Leorio est un hunter.
いかがなされましたか。プフは、そう、お前はプフだ。ヨノ、ヨの名前は何という。恐れながら申し上げます、王は王です。 Comme vous pouvez le voir, toutes ces phrases suivent la même logique de structure. Si vous avez bien saisi ce point-là, nous allons gentiment pouvoir nous attaquer à du concret à travers la mise en contexte. Tout d'abord, allons voir ce que tout cela donne en contexte de lecture. Regardons ensemble quelques planches. Deguchida. Deguchi, c'est la sortie. Après de bonnes heures de course, nos aspirants hunters voient enfin le bout du tunnel. Mizai Storm-san desu. Même structure, mais plus polie cette fois-ci, à l'image du personnage de Pariston. Watashi wa Jōda. Typiquement la structure que l'on vient d'apprendre. Watashi wa, en ce qui concerne je, moi. Jōda, c'est la reine. Ce qui veut donc dire je suis la reine. À présent, continuons sur l'écoute. Je vais vous présenter 10 extraits de l'anime dans lesquels vous pourrez retrouver ce qu'on vient d'étudier ensemble, mais ce sera aussi l'occasion pour nous d'aller un petit peu plus loin et voir des tournures avec des phénomènes plus particuliers. Vous allez d'abord regarder ces différents extraits sans sous-titres en essayant de repérer au maximum les points qu'on a abordés. Ensuite, on prendra un petit peu de temps pour déchiffrer tout ça avec les sous-titres et quelques explications de ma part. Tâchez donc de tendre l'oreille, vous allez en avoir besoin. On se retrouve juste après. Gumon dana. Namae. Oi. Na wa nan to mousu? Watasu no desu ka? Hoka ni dare ga iru? Komugi desu. Komugi ka? Um. Sousui-sama wa Sousui-sama no o namae wa なんとおっしゃられるのですか。さあ、約束通りカイトを直せ。そうすればこっちもあの子を解放する。名前、君、名前なんて言ったっけ。ゴン、ゴンフリークスだ。だから早く戻ろう、強くなって、カイトを助けに。ああ、そうだな。早くレオリオに。さあ、次はゴンだ。遅かったけど感じ取れた。それにしてもなんだ。力が溢れてくる。二人はしばらく戦った後、
僕の負けだ。え、こうしてクラピカ氏が勝ちました。参った、俺の負けだよ。はあ、よかった、これで戦闘解除だね。嘘だよキル、ゴンを殺すなんて嘘さ。安心しな、万全な体調で明日戦えるようにマッサージしておいたわさ。それより問題はキルアだわよ。この1ヶ月間全く敵と戦えなかったのは計算外。お前と出会ったのはその時だよゴン。だがまさかあの子供がジンさんの息子だとはその時は気づかなかった。分かったのはジンさんを探し当てた後、クジラ島での出来事を彼に話した時だ。そいつは俺のガキだ、名前はゴン。ゴン、てめえ何言ってる。試験官はついてこいって言っただけだもんね。てめえどっちの味方だ。あ、ねえ、君いくつ。12歳。ふーん、同い年ね。うん、やっぱ俺も走ろうっと。おお、かっこいい。俺キルは。俺はゴン。くそー、ふざけやがって。 Bien, vous avez été à l'écoute et votre concentration était à son maximum pour repérer les différentes structures qu'on vient de voir. Néanmoins, si vous êtes débutant, il y aura forcément des choses qui vous auront échappé. Allons voir ça de plus près. Gumondana.名前。おい、名は何と申す。私のですか。他に誰がいる。あ、小麦です。小麦か。うん、総帥様は、総帥様のお名前は何とおっしゃられるのですか。小麦です。Normalement, ce passage n'a pas dû vous poser tant de problèmes. On y retrouve strictement la première structure apprise. Une chose à savoir, comme l'illustre bien l'extrait, cette simple formation de phrase suffit amplement pour se présenter en japonais, sans même avoir recours à un thème. Au vu du contexte, Meruem comprend évidemment que Komugi parle d'elle-même. Ça...約束通りカイトを直せ。そうすればこっちもあの子を解放する。名前、君名前なんて言ったっけ。ゴン、ゴンフリークスだ。ゴンフリークスだ。Pareil que pour l'extrait précédent, Gon donne son nom, à la seule différence qu'il n'emploie pas un registre poli pour parler à Pito. Il aura donc recours à Da plutôt que Des. Dakara, hayaku modoro, tsuyoku natte. Kaito, tasuke ni!あ、そうだな。お前は光だ。 Ici, on passe à la seconde structure apprise. Strictement respectée, omae est une version familière du pronom tu, toi, en japonais, qui est d'ailleurs très utilisée dans les mangas et animés, mais que je vous déconseille fortement. Hikari veut simplement dire la lumière.
次はゴンだ。Tsugi wa Gonda. Là encore, même structure, Tsugi signifie le suivant ou le prochain, ce qui nous donne littéralement, en ce qui concerne le prochain, c'est Gon. Et en bon français, le prochain c'est Gon, ou bien même, Gon est le prochain. C'est un bon exemple pour montrer à quel point les traductions peuvent être diverses et qu'il ne faut pas jurer que par ça. Cette phrase a littéralement rendu fou tous les adversaires de Knuckle, et à juste titre. C'est une réplique qu'on entendra très souvent tout au long de ses combats. Jikan veut dire l'heure, le temps. Ici, la phrase est légèrement plus complexe car il y a un peu plus d'éléments, mais elle suit tout de même la structure de base qu'on a apprise. Boku est une version plus neutre et plus masculine de Watashi, et c'est suivi d'une autre particule que l'on verra dans une autre vidéo. Et Make, qui signifie défaite. Littéralement, c'est ma défaite, mais une fois encore en français on dira plutôt j'ai perdu. Maïta. Uso, c'est le mensonge. Usoda veut donc dire c'est un mensonge ou bien je mens. Encore une fois, le contexte suffit pour deviner que celui qui ment est bel et bien Irumi, alors que la phrase en elle-même ne donne pas l'information. On remarque que la phrase ne s'arrête pas là, car c'est suivi d'une particule finale, qui n'influe en aucun cas sur le sens strict de la phrase. Néanmoins, c'est le genre d'élément qui peut très vite vous perturber lors de votre écoute. Ce sont des choses très courantes en japonais, donc même si vous n'en connaissez pas encore l'utilité, habituez-vous à les rencontrer. Cependant, le problème, c'est Killua. La difficulté pour comprendre ici est que la structure que l'on a apprise est fondue dans la phrase. On y trouve un élément avant, Soleyori, qui veut plus ou moins dire mais ou cependant, mais aussi à la fin avec la combinaison de deux particules finales qui, comme dans l'extrait précédent, n'apportent finalement aucune information en plus dans la phrase. Pour le moment, à votre niveau, il est donc important de rester concentré à repérer la particule wa, et donc le thème de la phrase pour ne pas manquer l'information principale. ジンさんを探し当てた後、クジラ島での出来事を彼に話した時だ。そいつは俺のガキだ。名前はゴン。Deux exemples en une seule réplique. La première phrase respecte la structure. Littéralement, en ce qui concerne ce type, c'est mon gamin.
La seconde phrase, elle est un peu plus intéressante, car un élément a disparu. C'est la copulda. C'est un phénomène qu'on appelle omission, et qui est propre au langage familier.俺切るわ。俺はゴン。くそ。ふざけやがって。俺切るわ。俺はゴン。Ici, le phénomène d'omission va encore plus loin, car si Gon se contente de supprimer la copulda, Killua quant à lui va aussi mettre sous silence la particule wa pour ne laisser que les informations essentielles. Moi, Killua. Là encore, on est dans un registre extrêmement familier que je ne vous recommande évidemment pas quand vous parlerez en japonais. Ce dernier exemple représente le dernier challenge pour maîtriser ce qu'on a appris car il vous faut alors vous représenter mentalement les fonctions des différents mots dans la phrase sans avoir de particules ou autres éléments grammaticaux pour vous guider. C'est alors à vous de faire confiance en votre maîtrise de la grammaire et déterminer le sens de la phrase en vous aidant de son contexte. En conclusion, cet épisode nous aura demandé beaucoup d'exemples pour parvenir à englober différents aspects de cette structure basique, tout en restant concentré sur des exemples simples et faciles d'appréhension. La particule wa est une des particules les plus importantes, mais aussi une des plus complexes à assimiler, tant les nuances qu'on pourra lui donner sont nombreuses. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Avant de conclure, je tenais à vous faire écouter un dernier extrait. Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, vous devriez maintenant comprendre un peu mieux. Gon wa, shugyou no naka de, hissatsu waza no hinto o tsukande ita. Sore wa... Voilà qui conclut cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la gratifier d'un pouce bleu et à me donner vos retours dans les commentaires. Si vous aimez vraiment mon travail, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement via la plateforme Utip en regardant quelques publicités. Quant à moi, je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux et ici même dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Minasan, jaa ne.